moi, ce que je trouve important, c'est quand on parle des conflits, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se joue dans un conflit. Pour moi, le conflit n'est que le symptôme d'un problème qui est ailleurs. Et au fond, c'est un signe, c'est comme une sorte de ticket de métro, mais ça ne fait pas le voyage. Le voyage, on pourrait le regarder sur quatre hypothèses au moins. Alors d'abord, bien sûr, il y a toujours des problèmes de communication. Dans un conflit, il y a besoin de savoir se parler, de savoir se parler en jeu, de savoir se parler avec son émotion, de savoir se parler avec son ressenti, savoir reformuler, savoir se rencontrer, s'exprimer clairement. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de regarder comment que des conflits peuvent être l'expression de quatre thématiques qui peuvent apparaître quand il y a une situation conflictuelle. Une première thématique, ça va être de se mettre d'accord sur un projet. Et souvent, quand il y a un conflit, c'est qu'on n'est pas au clair sur le projet. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et en particulier dans l'Église, c'est quoi notre intention? C'est quoi notre objectif? C'est quoi notre projet d'Église? Un deuxième axe que je trouve important, c'est de regarder les problèmes de hiérarchie. Parce que souvent, quand il y a des hiérarchies qui ne sont pas claires, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnues, ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent être nécessairement autoritaires et puissantes, dans du pouvoir, mais qu'on sache qui décide quoi, qui a la responsabilité de quoi, et si ce n'est pas clair, si ce n'est pas reconnu entre le pasteur, par exemple, le président du conseil, l'animateur, le trésorier, l'animateur de séance, il y a besoin d'aller clarifier. Ce n'est pas une question de fonction, c'est une question d'autorité. Qui a l'autorité dans cette église, dans notre communauté? Et il y a des autorités au niveau de la catéchèse, il peut y avoir des autorités au niveau de l'organisation de la paroisse, ou des autorités théologiques, et parfois il y a des théologiens qui sont plus compétents qu'un pasteur dans une paroisse. Mais si ces choses-là ne sont pas suffisamment clarifiées, ça peut générer du conflit. Une troisième hypothèse de travail que je trouve intéressante pour regarder qu'est-ce qui se passe dans un conflit, c'est de travailler sur les frontières. Et pour moi, les frontières, elles sont à la fois horizontales et puis verticales. Les frontières horizontales, c'est d'aller regarder, puisqu'on parle ici de l'Église essentiellement, même si nous sommes intervenus sur l'entreprise, mais les problématiques sont les mêmes, c'est de regarder s'il y a des périmètres sur lesquels nous sommes bien au clair. Les frontières, c'est de l'espace-temps. C'est l'espace des réunions, c'est l'espace des compétences, des territoires d'intervention. C'est l'espace parfois d'un bureau qu'on peut partager à plusieurs bénévoles. Et si on n'est pas au clair sur les périmètres que chacun peut occuper, sur les frontières qui nous sécurisent, ça va faire difficulté. Les frontières, elles sont horizontales, elles peuvent être aussi verticales. En particulier dans des histoires transgénérationnelles, ça paraît un peu bizarre de dire ça dans un cadre d'église, mais il y a des histoires dans une église, il y a des histoires de pasteurs, il y a des histoires de présidents, il y a des histoires d'argent parfois, il y a parfois des histoires sexuelles aussi, qui laissent des traces quand elles ne sont pas suffisamment nommées et repérées. Et quand ces histoires-là ne sont pas suffisamment clarifiées et suffisamment parlées, elles peuvent traverser des frontières, c'est-à-dire envahir le quotidien, alors qu'elles devraient rester dans une histoire passée. Quatrième piste, enfin, c'est les fonctions, c'est d'aller bien repérer qui fait quoi pour qui. Et quand on n'est pas au clair sur qui fait quoi pour qui, c'est-à-dire qui a la responsabilité de quoi, qui va fermer les portes, qui va jouer de l'orgue, qui va faire la liturgie, qui va faire la prière avant le conseil presbytéral, qui va faire une méditation, qui va visiter qui. Quand ces choses-là ne sont pas suffisamment nommées, clarifiées au sein d'un conseil, au sein d'une paroisse, ça peut générer des conflits. Une fois de plus, les conflits sont sains, c'est-à-dire que pour moi, ils sont le signe d'une communauté vivante, et une communauté sans conflit risque d'être une communauté mortifère. Mais ce qui va être intéressant, c'est de regarder, non pas le conflit en tant que tel, mais de quoi parle le conflit. Et ces quatre hypothèses sont pour moi intéressantes à regarder. Est-ce qu'on est au clair sur le projet? Est-ce qu'on est au clair sur les hiérarchies? Est-ce qu'on est au clair sur les frontières, horizontales et verticales? Est-ce qu'on est au clair sur les fonctions? Qui fait quoi pour qui? Alors, les conflictualités dans l'entreprise sont inévitables pour moi. La question n'est pas de les éviter, mais plutôt de voir comment on les régule. Il faut savoir que ces dernières années, et ça va encore s'accélérer dans le futur, les entreprises connaissent des mutations importantes qui vont générer sans doute de nouvelles formes de conflictualité. Les premières sources de transformation sont liées aux techniques. Il y a aujourd'hui un développement de l'interface homme-machine et un affaiblissement de la relation humaine au sein des entreprises. On travaille de plus en plus face à un écran, face à des robots. Et donc l'homme est sans doute d'une certaine façon de plus en plus seul. Et l'entreprise doit donc en tenir compte pour organiser des moments où justement les collaborateurs vont retrouver de la relation humaine
de l'entreprise. Donc ça passe par des événements, aussi des assistances qui peuvent être du coaching ou des séances de formation collective. La deuxième source de transformation, elle est organisationnelle. Le monde change, les technologies impactent aussi l'organisation des entreprises. On passe d'organisations qui étaient souvent sous forme de silos hiérarchiques à des formes d'organisation beaucoup plus transversales avec des logiques de projet. Et donc, le collaborateur, les frontières sont de moins en moins strictes et établies. Et donc, le collaborateur doit s'adapter à ces évolutions, à ces changements de frontières. Et là aussi, on voit apparaître sur ces formes de management transversal des besoins de fonctions d'animateur ou des fonctions de médiateur pour réguler les conflits potentiels liés à ces frottements au niveau des frontières. Et puis, le troisième facteur de changement, je pense que c'est la dimension interculturelle. Aujourd'hui, l'entreprise doit faire communauté, orientée vers un seul objectif, qui est la mission de l'entreprise, mais avec des collaborateurs de sources ou d'origines très différentes. Et donc, il y a là aussi une réflexion sur un management plus interculturel, avec un recul qui est pris par les managers sur leur façon de travailler et de manager pour justement affaiblir les biais culturels trop prononcés qui peuvent générer des conflits. On voit apparaître aujourd'hui, c'est un peu à la mode, le sujet de la place de la religion dans l'entreprise. Effectivement, nos managers dans une société française qui reste très laïque sont assez peu outillés pour régler ces problèmes. Et ça passe par la formation et la réflexion sur ce qu'est le religieux, mais aussi l'interculturel de manière générale.